Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du Talk de l'OBR. On est ravis d'être là pour la deuxième année consécutive. Et aujourd'hui, en plus, on va lancer les festivités avec un invité de marque, puisqu'on reçoit Mathieu Blestot, donc directeur du tournoi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc je te remercie d'autant plus d'être venu. On va te libérer assez vite, c'est promis. Pour m'accompagner ce matin, Pierre Veil, que vous aviez déjà vu l'année dernière, de l'Instant Tennis, qui sera un peu notre caution expertise tennis de cette année. Le meilleur d'entre nous. Et celui qu'on ne présente plus, bien sûr, vous le connaissez tous maintenant, Thomas, qui sera là également. On va être plus calme aujourd'hui. Plus calme aujourd'hui, voilà. C'est promis. Promis. Bon, très bien. Donc Mathieu, on va attaquer tout de suite, comme je disais, on va te libérer assez vite ensuite. Déjà, comment ça va ? Comment ça va ? Comment s'est passée la préparation de ce tournoi ? Comment s'annonce cette édition ? Eh ben ça va super. On est prêt à ouvrir les portes là dans quelques minutes. Tout s'est bien passé. L'événement a encore grossi cette année, donc voilà, il y a encore plein de choses à digérer, à assimiler, et puis encore plein de nouveautés. Mais ça s'est bien passé. On est prêt. Tout va bien. Donc maintenant, on va profiter toute la semaine. J'espère bien. Il n'y a plus qu'à attendre le public et il va y avoir de beaux spectacles a priori au rendez-vous, je pense. Effectivement, oui Mathieu, on va avoir un plateau exceptionnel, évidemment beaucoup de joueurs français, Hugo Gaston, Hugo Humbert, Gilles Simon, Benoît Paire, Dominic Thiem aussi. Petite question, c'est toujours intéressant pour les gens qui nous regardent, comment ça se passe pour faire venir les joueurs sur le tournoi ? Eh ben, on a un directeur sportif déjà, Nicolas Mahut, qui est encore sur le circuit, donc qui peut beaucoup parler aux joueurs pendant toute la saison, parler de l'Open, etc. Donc ça nous aide, c'est un vrai ambassadeur pour nous, ça nous aide. La façon de faire en fait pour rentrer sur un tournoi, c'est qu'il y a une liste de 21 joueurs. C'est les 21 joueurs les mieux classés qui se sont inscrits sur la liste, qui rentrent directement dans la liste. Donc voilà comment on constitue un tableau. Ensuite, il y a des wildcards, qui sont des invitations qui sont données soit par la Fédération française de tennis, soit par l'organisation du tournoi, c'est-à-dire nous. Et puis derrière, il y a 6 joueurs qualifiés se sont qualifiés, qui vont se qualifier ce matin. Oui, il y a encore des matchs. Les qualifications hier. Et qui vont jouer leur dernier tour de qualification ce matin, qui viennent intégrer le tableau et ça nous fait un tableau de 32 joueurs pour le tableau de simple. Voilà. Très bien. Donc il y a une vraie complémentarité. Donc, tu parlais de Nicolas Mahut, il y a Marc Jiquel aussi qui est présent sur le tournoi, Arnaud Di Pasquale qui nous a rejoint cette année. Comment ça fonctionne entre vous ? Est-ce que chacun a un peu son rôle ou est-ce que tout le monde est un petit peu ambassadeur ? Les rôles sont répartis. Alors déjà Nicolas, il n'est pas là cette année puisqu'il est sélectionné en Coupe Davis. Il a travaillé sur le plateau en amont, c'est son rôle. Travailler sur le plateau en amont. Et puis, en général, il fait la relation joueur aussi avec Marc Jiquel. Marc, il est sur la relation joueur, mais il a aussi beaucoup d'OP, notamment avec tous les enfants, l'Open en quartier, l'Open des scolaires. Oui, il y a beaucoup d'animations. Il est très présent sur ces animations-là, parce qu'il aime bien faire ça. Et puis, Arnaud va du coup l'aider aussi dans la relation joueur, c'est-à-dire aller discuter avec les joueurs, voir si tout va bien, ce qui ne va pas. Quand on a besoin aussi de certains joueurs, pour certaines OP sur l'événement, les faire passer dans différents salons, etc. Et puis Arnaud aussi, il aura un rôle aussi de RP, public relation, d'être présent avec nos partenaires, faire des opérations de dédicaces dans le village grand public pour le grand public, etc. Ils sont bien occupés aussi sur leur semaine. J'imagine. Et Mathieu, une question aussi, c'est vrai que je me souviens que tu avais parlé du tournoi et tu disais que tu voulais que ce soit une référence sur le circuit Challenger, et c'est déjà le cas, hein, c'est un tournoi qui grossit. Il y a plein d'événements pour les partenaires, l'accueil du public, le village de l'Aubert, le plateau aussi exceptionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des prochaines perspectives que tu as déjà ? Est-ce qu'on peut en parler déjà ? Nous, il n'y a pas de secret, et puis on le dit ouvertement. C'est vrai que maintenant, en termes d'accueil des partenaires du grand public, ça commence vraiment à être sympa. On a vu que c'était vraiment devenu un événement d'importance dans la ville. Le tournoi a une vraie belle réputation maintenant sur le circuit, effectivement, comme l'un des meilleurs challengers. Il y a beaucoup de joueurs qui nous disent waouh, c'est un tournoi, c'est un 250, c'est la catégorie au-dessus en fait, les ATP 250. Et donc, c'est ce qui avait été dit l'année dernière déjà. Maintenant, l'idée c'est de pour donner une dimension encore plus importante au tournoi, un rayonnement encore plus important, c'est de faire monter en catégorie. Donc, ce serait de monter sur un ATP 125 qui est plus haut niveau sur les challengers. C'est l'objectif vraiment dans les 2-3 ans là, à venir, c'est d'arriver à le faire monter pour stabiliser le plateau sportif. Parce que là, en termes de plateau sportif, on a l'impression que sur les 2 dernières années, on vient de faire 2 miracles en fait. Et on n'est pas sûr de pouvoir les réaliser tous les ans à cette dotation-là. Parce qu'on a distribué actuellement 90 points pour le classement ATP. On aimerait en distribuer 125, ATP 125. Et pour ça, il faut faire monter la dotation du tournoi. Parce qu'en fait, le nombre de points distribués c'est ça le levier, à la dotation du tournoi, c'est la règle de l'ATP. Et donc,
pour monter la dotation du tournoi, bah, faut un peu plus d'argent tout simplement. C'est environ 100 000 euros de coûts qu'il va falloir qu'on aille chercher pour, oui, quand même. Venir, donc, pour venir monter sur un ATP 125. Mais ATP 125, ça nous permettrait encore d'avoir un meilleur plateau, ouais. Et ça nous permettrait aussi d'avoir un rayonnement médiatique encore plus international et encore forcément plus important aussi en France, sur les médias, l'équipe, etc. Voilà. Écoute, merci beaucoup Mathieu, on va te souhaiter un bon tournoi. Merci. On va te laisser aller inaugurer officiellement l'Open Bloraine. On invite tout le monde, évidemment, tous ceux qui nous regardent, à partager ces émissions, à partager, à vous rendre sur les réseaux sociaux aussi, parce que toutes tes équipes, on parle des noms un petit peu connus, Nico Mahut, Arnaud Di Pasquale, Marc Giquel, mais il y a aussi toutes les équipes de Mathieu qui travaillent en coulisses depuis des semaines pour vous préparer tout l'événement. Donc on pense à eux aussi, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, le village est top vraiment cette année, ça a encore grossi, on le disait tout à l'heure. Donc merci Mathieu vraiment d'être venu ce matin, bon tournoi, ouais. Et puis bon, on refait un petit point dans la semaine, j'espère on aura l'occasion de se revoir en plateau. Ce sera plus simple plus tard dans la semaine. J'imagine, de toute façon tu es le bienvenu en permanence. Hein, ah bah t'es chez toi ici. Fais comme chez toi, voilà. Absolument pas très loin. Merci Mathieu. Je vous laisse. Bonne fin de journée. Eh ben merci. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Et nous les garçons, comment ça va vous? Oui la fille. Bah écoute, ça va très bien. Je vais me mettre en face de vous, parce que là, du coup, on a l'air un peu... Ça fait un petit peu... Tu vois, on est plus cosy, là, quand même. Bien, d'accord. On est bien, là. Ouais, hein? Ouais, on est très bien. J'en profite, d'ailleurs, pour saluer tous nos petits viewers dans le chat. Salut Marine, salut Jacques, salut Bernadette, salut Baptiste, j'ai vu passer Hélène. Merci à tous, bienvenue. Alors, Jacques, c'est pour qui que tu disais ça, Jacques? C'est pour moi, le conseiller bancaire? Il y a de fortes chances. J'ai plein d'efforts. Hein. Il aurait dû dire le PDG plutôt. Ça aurait été un peu plus. Exactement. Directeur, plus dans le thème, directeur d'agence, bien sûr. Si t'as besoin d'un crédit, Jacques, tu m'appelles. C'est ça. Mais il ne va pas me reconnaître, Jacques. Il va dire je le connais, lui. Je le vois le mercredi d'habitude. Et dire là, il est plus calme. Ah, il est plus calme. Voilà. Chauffe-moi un peu, Jacques, si tu as besoin que je. Oui, bah, c'est lundi matin. Laissez-lui le temps. Je râle à la fois. Laissez-lui le temps de mettre à l'aise. Je voulais faire un petit rappel quand même, pour ceux qui nous regardent, on repart un peu sur les bases de l'année dernière. C'est-à-dire deux émissions par jour, une matinale et un prime time, on va appeler ça prime time, un petit peu pompeux, mais bon. Un manque de montant en gamme. Voilà. Donc à 19h, exceptionnellement ce soir, l'émission sera à 19h30. Puisqu'il y aura une table organisée sur le plateau un petit peu plus tôt. Mais globalement, dans la semaine, on se retrouve tous les jours à 10h. Et à 18h. La table bleue, elle est transmise en direct ou non? Elle est transmise en direct. Il y a captation qui est faite. Parce que ça a l'air. Ça donne envie. Tu vois, moi j'en ai entendu parler la semaine dernière, la table ronde. Bah oui, je pense que ça va être assez. Ça donne envie. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y a peut-être Dominique Thiem qui viendrait, s'ils ont besoin d'un traducteur français, autrichien. Je peux. Oui, tu peux d'être directeur d'agence. Exactement. Je ne fais pas que gueuler dans la vie. Alors, on nous dit dans le chat, la régie, qu'il y a un petit écho, une petite résonance dans les micros. Ah, c'est mieux. Marine nous dit c'est mieux. Ah. T'as vu cette régie? Tu n'as même pas besoin de leur demander, ils ont déjà résolu le problème. Alors, ils sont au top, parce qu'en plus, on a fait ça là ce matin, un peu, tu vois, c'était un peu au dernier moment et tout. Et ben, hop, ils ont assuré quand même. Mais ils assurent toujours. Oui, c'est pour ça que j'ai dit quand même. On les salue, Joe et Steven, qui sont en régie, et grâce à qui on a... Toute la réalisation de l'émission, les visuels, les machins, bref, vous allez découvrir tout ça. J'ai oublié de remercier Mathieu pour la wildcard à Clément. Ah mince. Hein, Clément Chidec. Ouais, je vous invite à mettre devant la. Tu peux te mettre devant la caméra là devant, et là, lui là. Adresser un message. Je me mets comme ça. Franchement, Mathieu, merci. Je vais aller mettre un petit peu de bazar à 15h pour supporter Clément. Parce que Team Chidec, forever. Merci. Voilà. J'espère qu'elle va se souvenir de moi. Toute l'année, je lui ai envoyé des messages. Il t'a répondu? Ouais, bien sûr. Toi, les gens te répondent. C'est... Mais c'est quelqu'un de bien élevé. Benoît, je lui tirerai l'oreille, par contre. Bah, on lui dira quand il vient. Voilà, Benoît, il ne m'a pas répondu, mais il vient. Donc, c'était un message que je m'inquiétais. Tu vois, après l'US Open, il a dit que... Mais il n'a pas l'air en forme, voilà. Quand même, le pauvre. Ah, mais il a rechargé les batteries, là. Il a fait on va vous le rebooster, Benoît Perret. Il est bizarre, ouais. Voilà, il a rechargé les batteries. Et puis à Marseille, chez lui, t'es bien. On va parler un petit peu de tennis, les gars, ça vous embête pas? Avec plaisir. Bien sûr, hein, bien sûr. Parce que bon, nous, on est. Enfin, pour vous, c'est la première émission, c'est le premier jour du tournoi. Pour nous, je ne vous cacherai pas que ça fait quand même quelques jours qu'on est là et qu'on travaille. Mathieu en parlait tout à l'heure. Il y a notamment les matchs de qualif qui ont eu lieu ce week-end et qui vont se terminer ce matin. Ouais. Pierre,
Tu as assisté, toi, à quelques matchs, je crois. Est-ce que oui, tu peux peut-être nous expliquer aussi un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaîtraient pas ce match-là? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup, il y a eu des qualifications hier et qui se termineront également aujourd'hui. 6 joueurs issus des qualifications pour rejoindre le grand tableau. Yes. Et je trouve que c'est toujours sympa de voir les qualifs des tournois, puisqu'on est vraiment proche du jeu, proche des joueurs. Ouais. On voit beaucoup de choses qu'on ne peut c'est pas vrai. Voir quand on est placé un petit peu plus haut ou quand on est à la télé. Donc c'est vraiment, je trouve, très sympa. Autre chose aussi, on voit les meilleurs joueurs s'entraîner, puisqu'ils ont aussi des créneaux réservés pour les entraînements. On a eu la chance hier d'assister. Oui, ça a enchaîné, Team Gilles Simon. Derrière. L'année dernière, on avait vu l'entraînement d'Andy Murray aussi le dimanche soir. D'ailleurs, vous l'avez vu, Gilou s'est chauffé. Oui. Le dos, ça va. Ça a l'air d'aller. Bon. Ça a l'air d'aller. Il a fait une bonne séance. On croise les doigts. Hier, avec Grégoire Barrère. Okay, cool. Sachant que oui, il va quand même y avoir une grosse affiche avec Gilles Simon. C'était agréable, ça a un petit peu chambré par moment, donc c'est bien. Dans la bonne humeur. Ouais, bon esprit, c'est bien. Très bon esprit. Mais c'est le charme aussi, je trouve, un peu de ces tournois. Oui, t'as un côté humain. Voilà, on sent qu'il y a une ambiance quand même. On n'est pas sur les grands chelems. Sur Grand Chelem ou Master. Que les qualifs ce week-end étaient à Saint-Grégoire. Et quelques matchs ici. Et également ici aux Libertés. Il y a eu des matchs ici aussi hier, et il y en a encore ce matin ici. Et à Saint-Grégoire également, je crois qu'il y a trois matchs. À Saint-Grégoire, les qualifs étaient en libre accès, c'était bien ça? Oui. Exactement, ouais. Ouais, ça, c'est sympa, mine de rien. C'est sympa, et encore une fois, on voit du très haut niveau, quoi. Donc, t'es au bord du cours, t'es bien placé. Oui, ah oui, parce qu'on dit on regarde le classement ATP, on se dit, oh. Et puis, quand tu les vois taper la balle, tu fais, oh. Ah oui, quand même. C'est pour ça, c'est important, je trouve, que les gens soient conscients du niveau de ces joueurs-là, quoi. D'ailleurs, on nous dit dans le chat qu'on aimerait bien voir un double entre Benoît Paire et. Bah, bien sûr. Eh ben ouais, un match entre Benoît Paire et Thomas Mais moi je suis chaud, je me suis échauffé, tu vois, j'ai perdu un peu de poids. Non, mais. Pas vraiment. En 24 heures. en 24 heures, bien sûr. 24 heures que je ne mange pas. Donc forcément, j'aurais perdu un peu. Non, mais en double, on court moins. C'est pour ça que je me suis inscrit sur le. Ah, sur le double. Sur le double. Ah, ouais, bien sûr. Et Benoît a conscience de mes qualités, petite lacune en revers. Par contre, le coup droit est foudroyant. Bien sûr. Oui. Le lever de coude également. C'est ça. Le lever de coude, évidemment. Bah, ça va avec, tu vois, un coup droit assez haut. Moi, j'ai beaucoup joué contre Nadal, tu sais, qui fait monter les balles hautes. Et moi, je tapais la balle. Et en ce match, c'était excellent aussi, quoi. Mais bien sûr. Un coup facile tout de suite. Exactement, exactement. C'est l'avantage de ne pas être très grand pour un joueur de tennis. Bien sûr, effectivement. Je vais retrouver mes marques assez vite. Hein. Ça ne m'inquiète pas trop. Bon. M'inquiète pas. Marc Malouin-Gonseil, exactement. Ça vaut quoi, Pierre et Thomas, en double? Très bonne question. Ah bah, on vous invite. On a hâte de savoir. On vous mettra un petit lien pour vous dire à quel moment on joue. Mais Bon, on ira filmer, de toute façon, s'il y a un double. Je pense que ce sera en night session. Hein, 21h. On n'acceptera pas autre chose que la night session. Minimum, de toute façon. C'est vainqueur de Roland, nous répond-on. Bien sûr. De Roland Bourgoin, le dépanneur d'à côté. Hein, on est d'accord. Revenons un peu quand même à nos moutons. Donc les qualifs, effectivement, donc, qui se terminent ce matin, et les matchs du premier tour, qui vont donc démarrer aussi aujourd'hui. On va détailler un petit peu avec Pierre les matchs tout à l'heure. Est-ce que déjà, si on peut nous afficher en régie l'image du plateau final? Votre impression sur le tirage et le plateau de cette année, Pierre? Eh ben, on a vraiment un plateau de rêve, honnêtement. Le premier tour, on aura le temps d'en parler, mais on va avoir un magnifique Gilles Simon, Dominic Thiem. Ouais. En plus, voilà, il y a qui tout un contexte. Qui devrait arriver demain, sans doute, j'imagine. Sans doute, ouais. On aura également Benoît Paire. Sûrement. Ouais. Tu ne penses pas qu'ils ont été, parce que le tirage au sort. Quand tu vois cette affiche-là, tu sais que c'est un véritable tirage au sort. Je ne pense pas qu'ils ont été un peu déçus de se dire... Alors, ça fait une belle affiche. Bah nous, on l'a été, du coup. Ça fait une belle affiche, mais... C'est dommage que ça arrive si tôt. Voilà. Bah, c'est sûr que, d'un côté, on se dit que c'est une affiche de rêve, mais c'est une affiche de finale, de demi-finale. C'est quoi, ATP 90? C'est ça. Premier tour, Team Simon. C'est dommage. Ouais. Mais c'est vrai que tu... Mais d'un côté, c'est magnifique. Et d'un autre côté, il y en aura un qui sera éliminé, quoi. Donc, alors, on vous demande, les gars, dans le chat, selon vous, quels sont les favoris du tournoi? Qui pour succéder à Benjamin Bondy? C'est vrai que le plateau, déjà, l'année dernière, était quand même d'un niveau certain. Mmh. Oui, c'est ton chouchou qui avait gagné, d'ailleurs. C'était mon chouchou qui avait donc gagné. Donc, on va demander à Marie, quel est ton chouchou de cette année? Ben, moi, mon chouchou, c'est Hugo Gaston. Ah, c'est bien, un très bon choix. Donc, j'espère qu'il viendra... S'il n'y avait pas Clément Chidek, j'aurais... Il y a Clément. J'aurais il y a Clément. Tu peux avoir de chouchou.
On peut. Bah, j'en ai deux. Alors, du coup, on en a deux. Mais Clément Chilec, c'est tellement le chouchou de la team. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai trois parce qu'on ne va pas oublier Benoît. C'est le. C'est non, mon on dieu. Se connaît moins avec Benoît. C'est mon dieu. C'est mon dieu. C'est mon dieu. Ah, bah oui, Benoît. Ouais, donc, petite pièce sur Hugo Gaston. Ça, c'est mon chouchou de l'année. J'avais annoncé Benjamin Mouzy l'année dernière. J'espère avoir autant le. Alors, Pierre va nous dire, mais on va voir un peu le niveau de jeu. Mais Hugo Gaston, moi qui suis un peu de loin. Hugo Gaston, tu as l'impression que quand il est sur un grand chelem, c'est plus le même joueur. Alors, est-ce qu'on aura le Hugo Gaston de grand chelem cette semaine, ou on aura le Hugo Gaston qui a des... Je ne sais pas à quoi c'est dû, justement, ce petit manque de régularité. Écoute, c'est quelqu'un qui a vécu des choses quand même hors normes en très peu de temps. On se souvient de son parcours à Roland-Garros. Il a fait quoi, 8e? Ouais, et tout le monde en avait parlé. Enfin, c'était juste hallucinant. Ouais, et puis en sortant des matchs incroyables. Ah, c'est ça. En sortant des matchs incroyables. Très agréable c'était d'avoir joué. C'était surtout ça. Il passait pas à l'arrache. C'était flamboyant, quoi. Il avait battu Stanislas Wawrinka. Exactement. Et il avait fait un match de dingue contre Dominic Thiem. Oui, exactement. C'était énorme. Il y a 2 ans. C'était Roland pendant le Covid. Oui, c'est ça. De septembre. Le Roland-Garros de septembre. C'est ça. C'est ça. Et en fait, après, voilà, il y a eu plein de choses qui, je pense, qui lui sont tombées dessus. Tu vois, t'as tous les médias qui veulent t'avoir en interview, tu fais plein de plateaux. Et ça, je pense que c'est pas évident à gérer. Hein. Non, complètement. Faut pas oublier qu'il est très jeune encore et il a beaucoup de choses à travailler. Et justement, c'est ça qui est super, c'est qu'il est capable de faire des choses extraordinaires sur un tournoi en ayant une marge de progression. Donc, moi, je pense que c'est très positif pour la suite. Et pour répondre à ta question, là, honnêtement, quand tu joues dans cette enceinte-là, t'as envie de bien jouer. Les joueurs de l'année dernière, on ressentait ce côté passionnel. Ouais, c'est vrai, il y avait vraiment une grosse ambiance un gros sur les matchs. Un gars comme Hugo Gaston, il a un jeu en plus qui fait que ça chauffe le public. Le public ouais. Il fait que ça chauffe le public. Et puis voilà, il a une, globalement, de toute façon, il a une grosse cote de popularité, Hugo Gaston. T'as tout dit, il a une grosse cote de popularité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle aux gens qui sont pas spécialement passionnés tennis. Ouais. Tu vois, tu t'identifies facilement. J'ai vu 2-3 joueurs passer tout à l'heure. Bon, ils font tous 2 têtes de plus que moi et c'est des armoires normandes, tu vois. Hugo Gaston, il a pas ce physique-là. Bon, même si ma belle époque, je l'aurais peut-être taquiné, tu vois. Il est costaud quand même. Tu sens qu'il est musclé. Oui, 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 trapu. Ah bah quand même, oui, mais oui, c'est vrai qu'il a moins le physique. Il a un jeu, tu sais que tu vas avoir des coups. Très sympa à voir, tu vois, des amortis, il crée beaucoup, il fait monter son adversaire au filet, il le lock. Quand tu joues contre lui, tu sais que tu vas courir. Oui, puis ouais, il y a ce côté guerrier qui, oui, comme tu dis, qui enflamme le public et qui tout de suite crée quelque chose. Moi, de ce que j'avais vu, quand il a une philosophie de jeu, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire, même s'il rate 2-3 coups d'affilée, il remet pas sa philosophie de jeu, il continue. Et c'est ça qui est hyper agréable à voir jouer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Juste pour rester sur les favoris, avant de répondre à TikTok dans le chat, évidemment, il y a le nom de Dominic Thiem qui résonne et que tout le monde est un peu dans un coin de la tête. Il revient d'une très longue période compliquée, blessure, etc. Est-ce que malgré tout, ça reste... Enfin, à ton avis, toi, Pierre, qui est notre... consultant quand même, spécialiste tennis cette année. Est-ce qu'il est forcément favori, du coup, pour le tournoi, ou est-ce que, vu ce qu'il vient de traverser, c'est pas si évident que ça, finalement? Alors, c'est pas si évident que ça, parce que il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que le niveau, il est quand même très relevé. Mais oui. Il va jouer contre Gilles Simon. C'est son dernier tournoi... pas de l'année, hein, mais ce sera son dernier Open Blow de. Ah, donc oui, il finit fin d'année, ouais. Okay. Donc forcément, il y aura une ambiance particulière, hein, le public à fond derrière le Français. Mais en même temps, le public, je pense, va beaucoup respecter aussi Dominic Thiem. Wow. Parce que là, on parle d'une star. C'est vainqueur de grand chelem. Bah, comme on a eu avec l'effet avec Andy Murray l'année dernière, où tu sentais qu'il y avait un truc. Tu sens que t'as quand même quelqu'un de. Ah, ils ont un aura, effectivement. Il y a un aura naturel. Et puis en plus, Thiem est aussi quelqu'un de très sympa, très humble, très bosseur. Donc il a des vraies valeurs aussi pour le. Ah, puis tu vois, l'image d'Andy Murray l'année dernière, je trouve que c'est des mecs, tu vois qu'ils aiment le tennis. Tu vois, pour venir pour eux, sur des petits tournois, entre guillemets, pour eux. S'ils viennent, c'est qu'ils aiment le tennis. Et moi, je trouvais que c'est ce qu'avait transpiré d'Andy Murray l'année dernière. Non, mais c'est ça, comme tu dis, ils aiment le tennis et
Andy Murray, il a traversé des moments très très compliqués. Mais il l'explique dans un documentaire d'ailleurs qui avait été fait. Il a tellement l'amour du jeu et de la compétition qui c'est une drogue pour eux en fait. Voilà, la balle de la livraison en direct. Notre hôtesse, merci. Merci mademoiselle. Et celle de l'année dernière, évidemment. Bien sûr. Elle est belle. On n'a toujours pas fait gagner parce que. Cette année, on va en faire deux. On n'a pas envie. Cette année, on va en faire deux, comme ça, on en gardera une pour nous, pour notre studio, et on fera gagner la deuxième. Je vais en prendre une dédicacée juste par Clément Chidec. Ah, moi, l'année dernière, j'avais ma petite balle dédicacée par Benjamin Bonzi. Ouais, alors bon. Moi, je l'aimais bien, Bonzi, mais alors, le petit chambrage, parce qu'il gagne le tournoi. Par contre, il est Marseille, il est supporter de l'OM. Il gagne le tournoi le dimanche. Et ce dimanche-là, il y avait OM Rennes. Voilà, il nous a quand même écrit « Allez l'OM sur la balle ». C'est moche. C'est pour ça qu'on l'a pas réinvité cette année, d'ailleurs. Oui, Benjamin, on voulait pas qu'il mais Oui, parce qu'on t'a demandé ton avis, évidemment. Bien sûr, j'ai été consulté, Mathieu m'a appelé, Marc Jiquel, Nicolas Mahut m'ont appelé. Tu as ton droit de veto sur les joueurs. Voilà. Et... On dit, on pense à Benjamin Bondy, je dis, ah non. Ah non, ah bah non, pas de Marseillais. Non. Bien sûr. Du coup, je reviens sur cette question là qu'on avait dans le chat, parce qu'évidemment, un Français qui a gagné l'année dernière, un Français qui avait gagné déjà l'année d'avant, Arthur Hinderknecht, mais qui sont tous les deux en Coupe Davis d'ailleurs cette année. L'Open de Rennes lance des joueurs en Coupe Davis, c'est très bien. Bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes joueurs français, effectivement. Les Challengers sont aussi faits pour ça, pour permettre aux joueurs de... Donc, à part Clément Chidec, parce qu'on sait que tu vas dire Clément Chidec. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des joueurs, c'est ce qu'on nous demande un peu dans le chat, est-ce qu'il y a des joueurs vraiment à suivre, des jeunes pousses françaises? Oui, écoute, on en parlera tout à l'heure par rapport au programme, mais au-delà de parler de favoris, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est de parler d'espoir et de futurs grands joueurs, et c'est ça aussi pour lequel les challengers sont intéressants à suivre. Après, encore une fois, le niveau est très relevé. Donc c'est un plateau qui reste ouvert, malgré tout. Tu vois, on sait que le circuit Challenger, c'est un circuit très difficile. Ouais. Tu as des joueurs qui arpentent ce circuit depuis des années, toutes les semaines. Donc tu as énormément de compétition, c'est pas évident. Donc c'est un tableau honnêtement très ouvert. Hein. Mais évidemment, si tu veux dégager 2-3 favoris, oui, tu as des joueurs comme Hugo Gaston, évidemment. Hugo Humbert. Hugo Humbert qui a une grosse carrière malgré tout, hein, qui a gagné des gros titres. Et on aura l'occasion d'en reparler. Hugo Chidec. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de Hugo cette année. Donc j'ai proposé à Clément, j'ai envoyé un petit message. De le rebaptiser. Si je t'appelle Hugo toute la semaine. Mais d'ailleurs, tu seras en loge pour le match de Clément, non? Ah non, mais alors. Tu es ton conseiller spécial. Ah, mais ça va gueuler. Il emmène ta mère. Bien sûr. Il accompagne la mère de Clément. Ça. Exactement. C'est qu'il va signer des gros contrats aujourd'hui. Exactement. À partir de demain, c'est jogging. Mais aujourd'hui, pour Clément, on est en train de parler avec Nike. Quand même. Bien sûr, Hugo Boss, tout ça. Très bien. Donc on va voir, on va négocier. Vrai. Je pense que je vais en recaler 2-3. Parce que Clément, on va viser tout de suite le top. Très bien. Et j'ai hâte de le voir. Et bien justement, on va en parler puisque il joue aujourd'hui, Clément. C'est le premier match du premier tour. Il va affronter Pierre. Tu vas nous rappeler parce que je ne l'ai pas noté moi sur ma fiche. Quelle erreur. Gabriel Descamps, un Brésilien. Comme son nom ne l'indique absolument pas. Exactement. Exactement, donc du coup, je trouve que c'est un match très intéressant. Clément qui était là l'année dernière, d'ailleurs, qui avait fait l'émission ici, qui s'était. Bien sûr, il a conquis toute l'équipe du Talk. Hein, là, c'est devenu le chou. Mais c'est un gars, franchement, c'est on avait hyper passé un agréable. Super moment avec lui, À l'âge qu'il a, parce que tu vois, il a 21 ans, donc l'année dernière, 20 ans, tu avais l'impression de parler à un gars de 30 ans qui avait de l'expérience, du recul. C'est ça qui a charmé un peu tout le monde. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on peut revenir sur son parcours qui est très intéressant, puisqu'il est parti aux États-Unis pour ses études. Et oui, vous avez raconté un petit peu ça l'année dernière. Et il combine aussi avec le tennis, évidemment. Et il a déclaré il y a quelques temps qu'il voulait se consacrer entièrement au tennis à partir de 2023. Ok. Ah. Voilà. Donc, ça approche. Mais du coup, c'est bien. Il fait quand même quelques tournois. Donc, et c'est ce qu'il expliquait très bien, et on sent que c'est quelqu'un de très équilibré quand tu l'écoutes, c'est qu'il n'y a pas que le tennis, il y a les études, il a la tête bien faite, parce qu'il anticipe l'avenir. Il était impressionnant, quand on l'a rencontré l'année dernière, impressionnant de maturité là-dessus, effectivement, le gars a les pieds sur terre, franchement, c'est pour quelqu'un, comme tu disais, d'aussi jeune, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et puis en plus, il a quand même gagné l'Open d'Ajaccio en juillet 2021, exact. Il a gagné le tournoi après être sorti des qualifications. Oui, la classe. Ce qui est quand même jamais facile d'enchaîner comme ça toute une semaine de matchs. Donc c'est très fort.
ça va être intéressant. Et en plus, il avait aussi déclaré dans une interview qu'il avait eu beaucoup d'encouragement, notamment Lucas Pouille, hein, qui avait joué sur un tournoi, qui lui avait dit continue comme ça et tout. Donc c'est et puis en plus, voilà, c'est quelqu'un de très humble. Bosseur, c'est quelqu'un travailleur. De sympa. C'est quelqu'un qui aime bien, avec qui tu as envie d'aller voir un coup après sur un le tournoi. Court, il est agréable à voir, il envoie, tu vois, il envoie. Et c'est un guerrier aussi, tu vois, il s'accroche. Il a le côté un peu comme Hugo Gaston, je trouve, où il va amener le public avec lui, Clément. Après, je pense que j'imagine que c'est plus facile aussi quand tu es un joueur français dans un tournoi français, tout de suite, tu as quand même le public un peu à qui attaquer. Après, Ajaccio, attention, c'est. Ajaccio, c'est pas pareil. Ouais, tu vois, Clément. On salue nos amis corses. Mais moi, il est 499e au classement. Ouais. Et là, il va jouer contre un joueur qui est dans le top 200. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ce que j'ai te demandé. Alors, bah, j'avoue que Gabriel Decamp, je ne le connais absolument pas. Et alors, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça va lui permettre aussi de voir où il en est par rapport à ce type de joueur. Hein, oui, parce que là, il y a quand même un vrai écart de niveau entre les deux joueurs, on est d'accord. De classement, de niveau, bah, ce sera à voir tout à l'heure sur le match. Parce après, que Clément, cette année, il a pas trop arpenté le circuit. Hein, c'est là aussi, pour ça aussi pour ça qu'il oui, donc insister. Il a engrangé moins de points. Voilà. Parfois, tu vas avoir des gros écarts de classement. Oui, tu as des écarts de niveau, mais au final... Tu regardes qu'ils jouent tous le très bien au jeu, tennis, ouais, voilà. Et après ça va se jouer à quelques détails, tu as des points qu'il faut gagner sur un match important, où tu négocies mieux. Alors ce Gabriel Decamp, sur les Brésiliens en général sont un peu plus familiarisés avec la terre battue, c'est un joueur qui est à l'aise sur dur. Oui, il est à l'aise sur dur aussi, ouais. Et en plus de ça, maintenant, oui, effectivement, tu auras toujours les gros terriens, mais c'est vrai que le niveau il est tellement élevé qu'il y a plus de gens polyvalents. Hein, bien sûr, oui, de toute façon. Savent s'adapter sans problème. Bon, en tout cas, une belle affiche pour ce premier match. En plus, ouvrir le tournoi avec le chouchou du talk, ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Bon, n'oublie pas les qualifiés, mais bon, voilà, là c'est vraiment le premier tour. Premier match officiel. Globalement, on va supporter un peu final. Tout le monde quand même. Hein, oui, évidemment. Voilà. Mais un peu plus Clément. Voilà. Et on va retrouver d'ailleurs dans le deuxième match donc, qui suivra ce match-là. Oh là oh, bonjour monsieur. Bonjour. On accident de voiture, moi, j'ai l'impression. Un autre joueur français très très jeune. Très très jeune, mais en préparant l'émission et en... en préparant le, le après, tournoi. Gabriel Debrus. J'ai bientôt 40. Ah d'accord, pardon. Alors, tu parlais de moi. Qui est quand même très 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 jeune, c'est incroyable, ah il a oui, 16 ans. Pas, Il a 16 ans, ouais. Ça va être, franchement, c'est le genre de match qui est passionnant à regarder. Il ne faut pas non plus lui mettre trop de pression. Non, non, bien très sûr. Jeune. Mais je trouve que c'est des matchs très intéressants. Il faut rappeler quand même que Gabriel a gagné Roland-Garros chez les juniors chez les juniors cette année. Mais oui, cette année. Donc, très très belle performance. Petite anecdote aussi, il a remporté ses premiers points ATP à seulement 15 ans. 15 ans. C'est quand même incroyable. Et quoi. Il avait gagné contre le 220e mondial sur un tournoi. C'est quand même assez exceptionnel. C'est quelqu'un qui a la tête bien faite. Lui aussi. Voilà, beaucoup d'humilité. Bosseur aussi. Okay. Honnêtement, c'est un match vraiment intéressant à suivre. Et mais 16 ans, 1m93, il a prévu de s'arrêter de grandir ou quoi ce jeune homme? Quand il sera à 3 mètres. Quand on a préparé les visuels avec Pat Le Guen, on s'est fait exactement la même réflexion. 16 ans, 1m93, d'accord. D'accord. Et tu vois, quelque chose qu'on peut parler sur la taille des joueurs, maintenant ils se déplacent tous très très bien. Oui, oui. Et tu regardes sur des Danil Medvedev qui. Quoi, super bien oui. Sur toutes les balles. Non, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans. Il a fait aussi ce gros travail-là. Le stéréotype, c'était un peu John Isner. Ouais. Mais même John Isner se déplace très bien. Ah, bien sûr, il a énormément progressé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça que je trouve incroyable à voir, c'est des gars d'1m90, d'1m95 qui se déplacent comme des chats quand même sur le court. C'est assez impressionnant. Et donc, il va affronter Mats Rosenkrantz, qui est allemand. Et alors, j'avais une question, parce que donc, son adversaire va être gaucher. Et je trouve, c'est peut-être une impression, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de très bons joueurs gauchers sur le circuit. Bah, j'ai ouvert la si voie. C'est juste une impression. J'ai ouvert la voie. Écoute. Ou si c'est vrai. Et est-ce que ça change vraiment. Enfin, est-ce que c'est vraiment compliqué du coup de jouer contre un gaucher ou pas? Il y a des espèces de légendes un peu comme ça. Pour moi, c'est un honneur parce que je suis à côté de celui qui a ouvert la voie. Merci. T'es ému, merci, hein. Pierre. T'es ému. C'est vrai qu'avant, il y avait très peu de gauchers quand même. Et je mettais des barrières psychologiques et moi, j'ai réussi à faire valser voilà, tout ça. Et le monde du tennis t'en remercie d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Je pense que d'ailleurs, ils m'ont rebaptisé le tournoi. Le monde du tennis, t'es redevable. Le court Thomas. L'OTS, l'Open Thomas Schnapp. Ah, ça fait plaisir. Non, mais effectivement, c'est jamais facile de jouer contre un gaucher.
Parce que, évidemment, les joueurs sont habitués à jouer contre des droitiers. Bah oui. Et en plus, le gaucher, il peut trouver des zones pas faciles à défendre. Il peut sortir très loin du court. Donc, il faut s'adapter. Après, les joueurs, souvent, quand ils s'entraînent, ils font exprès aussi de s'entraîner régulièrement avec des gauchers. Oui, pour justement prendre les réflexes. J'ai envie de te dire, c'est de l'adaptation tactique aussi. Donc, ce ne sera pas un problème pour Gabriel Debruy aujourd'hui. Voilà. Et alors, ce Gabriel Debruy sort des qualifs ou il est... Il a eu une wildcard. Okay. Grand tableau. Avec Clément Chidec, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je trouvais ça très, très cool, en fait, de la part du tournoi. Et de la Fédé d'offrir les wildcards à des jeunes joueurs comme ça. Ouais, c'est important. Je suis d'accord. Dans l'esprit, je trouve ça top, quoi, de donner aussi leur chance à ces jeunes-là. Mais globalement, hein, depuis des années, parce que là, on est aux libertés, mais avant on était là, le Colette Besson. C'est pas Tsitsipas qui était à l'Open aussi il y a des années, passé, quand il était tout jeune. Il y a des maintenant, quand même. Il y a eu des gros noms qui ont gagné le tournoi. Oui, bien sûr, ouais. Et c'est là où on insiste aussi sur l'importance des challengers. Parce que c'est un circuit qui est très difficile. Ouais. Et du coup, de se faire la main sur les challengers, c'est jamais évident. Quoi. Ça permet vraiment à des joueurs de talent d'éclore aussi. Comme tu dis, Pierre, il y a une densité dans les tournois de challengers. Pour réussir à sortir un peu son épingle du jeu, c'est pas évident. C'est ça. Et quand tu joues, tu vois, quand tu es jeune, pas forcément l'exemple de ce match-là, hein, mais quand tu es jeune, que tu débarques sur les circuits challengers, tu vas jouer contre des gars qu'on 30 ans passés qui ont de la bouteille, qui arpentent les circuits depuis des années, je peux te dire, c'est pas facile. Hein. C'est bah là, 24 ans, le Mats Rosenkrantz, oui, il a déjà écumé sûrement depuis quelques années un peu les circuits. Voilà, c'est ça, je trouve, qui est beau aussi dans le tennis et le sport. T'as toujours cet inconnu de. Voilà, t'auras peut-être le prochain joueur qui fera un gros coup sur un gros tournoi. Voilà, tout est. Et puis moi, ce que je trouve bien sur les challengers comme ça, c'est tous les challengers, de toute façon, il n'y a que en grand chelem où tu es en 3-7 gagnant. Il y a moins de surprises sur du 3-7 gagnant. Sur du 2-7 gagnant, mine de rien, les matchs ne durent pas 3h, 3h30, 4h. Voilà, donc tu sais que même quelqu'un qui techniquement va être un peu inférieur, mais pendant 1h, 1h30, il a réussi à élever son niveau de jeu, il peut plier le match en 1h, 1h30. C'est vrai. Et tout peut basculer très vite aussi. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a une dimension psychologique qui est beaucoup plus dure que sur les grands chelems. Les grands chelems, tu vois souvent des joueurs techniquement au-dessus, même quand ils perdent les deux premiers sets, ils paniquent pas. Ils savent que voilà, ça peut. Ouais, ils ont encore le temps d'inverser la vapeur. Challenger, c'est plus compliqué. Hein. Tu perds le premier set, tu sais qu'il faut que tu t'actives. Tu te retrouves un peu au pied du mur. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais c'est le charme aussi des tournois du Grand Chelem. Hein. Les 5-7, on sait que maintenant, on travaille sur le réduire la durée des matchs pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais en même temps, sur les US Open là, qui vient de se terminer cette nuit, on a eu des matchs juste dingues à suivre, quoi. Un 5-7, j'aime bien dire souvent ça, c'est comme un film, en fait. Il se passe plusieurs histoires dans le match, quoi. Ouais, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup. Alors, il y aura un autre match, je crois, entre un Suisse et un... Exactement, ce sera le match... Antoine Bélier. Du soir, exactement. Antoine Bélier, j'ai oublié le nom de son adversaire. Peut-être que les... Et voilà, c'est un russe, pardon. 28-1. Match intéressant à suivre aussi. Et encore un duel gaucher-droitier. Ah oui, d'ailleurs. Ouais. Et ouais, ça va être intéressant. C'est toujours intéressant, je trouve, moi, encore une fois, le grand public ne connaît pas forcément ces joueurs. Ces joueurs-là, mais justement, c'est l'occasion. En plus, ce soir, il y aura du monde dans la salle. Voilà, l'ambiance va commencer à se lancer un peu ce soir sans doute. Ouais. C'est ça. Donc belle affiche. Et juste pour finir, on aura une belle affiche aussi au dernier tour des qualifs entre deux Français. Ah oui, ce matin. Voilà. Tout à fait. Je vous invite à regarder le match si vous avez la possibilité de regarder. Puisque déjà, les matchs entre Français, c'est... Et vous pouvez venir, il y a encore des places dispo pour aujourd'hui. Vous pouvez venir voir les matchs ce matin si vous n'avez... rien d'autre à faire, bien sûr, mais... Vous demandez Marie à l'entrée. Bien sûr. Et bien vous ne payez pas, du coup. bien sûr. C'est pour moi. Marie, à tapis rouge, dès qu'elle se déplace, il y a des gens qui la suivent. Et donc, on aura Arthur Raymond, qui jouera contre Maxime Mora. Maxime Mora, oui. Et alors, Arthur Raymond, très, très beau jeu. Gaucher, revers à une main. Très belle mentalité. Ça, c'est chouette. Il n'y avait pas Richard, du coup. Du coup, on a trouvé son remplaçant pour le revers à une main. Et donc, c'est toujours intéressant. En plus, petite anecdote sur ce joueur, il avait été sparring partner de l'équipe de Coupe Davis.
Ah, ok. Ah, d'accord. Sympa. Ouais, et Nicolas Mahut avait rendu d'ailleurs un bel hommage en conférence de presse en disant merci beaucoup d'être venu parce que tu as contribué à la victoire d'équipe en nous entraînant. Quel bon gars, ce Mahut, franchement. C'est, c'est toujours... ouais, d'ailleurs, on va se faire une petite minute un petit peu où on se fait mousser parce que la Coupe Davis, quand même, je tiens à le souligner. Nico Mahut, Richard Gasquet, bien sûr. Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknecht. Et Clément Chine. Non, pardon. Pas encore. Excuse-moi. L'année prochaine. L'année prochaine. 2023, oui, Pierre Rabhi. Quand même, je trouve que l'Open de Lorraine est quand même un bon pourvoyeur de joueurs pour la Coupe Davis. Ah oui, bien sûr. Exactement. Hein, on va se faire mousser un peu, même si bon. C'est vrai. Il y a probablement d'autres critères qui entrent en ligne de compte, mais bonjour. Il y a Benjamin cette année, dans les... j'ai pas fait attention à l'équipe, la compo de l'équipe de Benjamin France. Benjamin Bonzi. Bonzi, ah, oui, oui. Il y est. Avec Arthur. Avec Arthur Rinderknecht. Donc les vainqueurs 2020-2021. Mmh. Nico Mahut, directeur sportif, et Richard Gasquet, qui aurait dû être là et qui nous a... On l'excuse. On l'excuse. Il a une vraie bonne raison. Et il y a également Adrian Manarino dans l'équipe. Ah, bon, lui, également. J'adore. Il reste sur des belles dernières semaines. Ah oui. Il m'a fait perdre... Oui, il fait une saison quand même. Il a gagné un titre. Il m'a fait perdre des paris sportifs, Adrian. Mais on ne lui en veut pas parce que... Très beau jeu. Il est capable de battre, sur un match, il est capable de battre n'importe qui, ce gars. J'aime beaucoup. Très bien. Eh ben, merci à tous les deux, en tout cas, pour cette petite présentation des matchs de la journée. On refera un petit point, enfin, vous referez un petit point ce soir sur les matchs du jour et sur les matchs à venir demain. Et je crois que Pat Le Guen nous a préparé. Mais bien sûr, j'allais le dire. Viens avec nous, Michael Chang. Je crois que Pat Le Guen nous a préparé un petit TPB. Alors, le TPB, pour ceux qui suivent habituellement le Roison Talk Show, vous connaissez déjà tous ça par cœur, c'est le Player Blender. Donc là, on est sur le Tennis Player Blender. Donc, trois visages mélangés. Et il faut identifier les trois joueurs. Oh, la vache. C'est compliqué. Alors, attends. Ah, il bouge en plus. Attends, il y a une animation. Et en plus, il bouge. Alors, attends. Il bouge trop vite. Donc, aidez-nous, par contre, dans le chat, parce que là... ah, si, ça... C'est un Français, là, c'est pas Clément Tabure au milieu ? Putain, bah alors la classe Ça, c'est fort. Ah ouais. Alors, c'est que des joueurs présents au tournoi. Ok. Bon, si tu nous as quand même mis un Dominic Thiem dedans. Oh, non, je pense pas. Tu nous as mis un Clément Chidek. Qui c'est en bas ? Normal, c'est la base. Non, bah quand même, oui. C'est la base, le Sérou. On peut avoir des petits indices quand même, ou pas, Pat? C'est-à-dire que je suis pas expert tennis. Je vous donne un indice, celui du haut porte une casquette. Ah, merci. Ah, oui. Important. Non, mais alors, comme j'ai préparé les cartes des joueurs, j'essaie de me souvenir des photos porte qu'ils avaient. Porte une casquette. Le droitier. Celui du bas ouais. Ouais. Pourrait avoir une très jolie famille dans le monde du sport en général. Genre... Ah, je sais qui c'est. Ah bon? C'est Antoine Escoffier. Exactement. Ah, bah oui. Merci, Pat. Un gros bisou à Yannick. Bien sûr. On l'embrasse. Et la casquette, compliquée. Ta famille à boire des crédinos. Ah, Barrère. Ah. Wouh. Bon, l'expert tennis, la pierre. Et j'allais le dire, Grégoire Barrère. La famille pourrait avoir des casinos. Très, très bon. Très bon indice. Ah oui, très bon indice. Ouais, merci. J'ai pensé à Partouche, mais... On va faire qu'on bosse un peu pour être meilleur au Player Blender. Non, mais alors déjà, les joueurs du Stade Rennais ont du mal. Pour faire monter Tic Tac, c'est lui l'expert au Player Blender. Il est ramasseur de balles ce matin, Tic-Tac. Il sera arbitre de chaise ce soir. Tiens. Accroupi, c'est... Voilà, parfait. Et vous avez vu qu'il a bossé quand même depuis l'année. Il sort de l'ostéo pour justement lui permettre que le dos tienne le choc toute la semaine. Et bien du coup, ça va être l'occasion de faire la parfaite transition, puisque Zach, vous le retrouvez ce soir, 19h30, donc exceptionnellement ce soir, pour le prime time, puisqu'il y aura, on le disait en début d'émission, il y aura une table ronde organisée sur le plateau qui sera diffusée un petit peu plus tard sur les réseaux de l'Open de Rennes. Donc on va vous souhaiter une très bonne journée, bon tournoi. Une bonne victoire de Clément Chidek, c'est évident. Ouais. On vous invite bien sûr à venir faire un petit tour à l'Open. Il n'y a pas seulement les matchs, on en parlait avec Mathieu en début d'émission. Le village, il y a plein d'animations, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Ça, tu y passes la journée sans problème. Sans aucun problème. Donc, on compte sur vous. N'hésitez pas à venir nous voir. On remercie bien sûr Rivacom et l'organisation du tournoi de l'Open Blue Rennes
de nous accueillir à nouveau cette année sur ce magnifique plateau, dans ce magnifique espace vide qui est derrière nous. C'est vraiment, vraiment une chance incroyable. Oui, et puis comme l'année dernière, en termes de déco, c'est quand même... C'est quand même très cool. T'es quand même pas mal du tout. C'est quand même très très cool. Ils ont vraiment super bien bossé. On remercie Steven et Joe en régie pour toutes les petits visuels, merci, toutes les petites animes que vous avez vues, c'est grâce à eux. Ils ont assuré parce qu'à 15 minutes avant le live, ils ne savaient pas s'ils pourraient. Ils ont vraiment assuré. Mais on a une équipe au top. Pour une fois, parce que d'habitude, on n'a pas la meilleure régie du monde quand même. On galère, hein, nous en plateau. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis pour cette première matinale de l'Open de Lorraine 2022. On se retrouve, moi je vous retrouve demain matin à 10h avec l'équipe en plateau et vous retrouvez donc la Team Talk avec Pierre à nouveau ce soir, 19h30. Allez, salut, à demain. Ciao, ciao.